je suis bien entouré. Hein. On va commencer à ta droite, Iva. Jeune Tchèque. Bonsoir. Qui est une chanson magnifique. Écoute, Henri. Voilà, et ensuite, donc, nous avons nos trois models. Kewe. Bonsoir. Bonsoir. Kewe. Kim. Bonsoir. Assez réservé, qui a remplacé en cas, hein, Kim. Et Irène. Ah oui, bah oui, Irène, je suis désolé. Ah oui, je me suis déplacé. Et Malek Bouti, évidemment, c'est pas le même usage, mais bon, ouais, évidemment. Très, très, très sympathique. Très sympathique. Voilà, t'as un look d'enfer, là, je vais te dire. Les cheveux en arrière, un peu bonnet. Un nouveau look, tu sais, quand on arrive à la quarantaine, Non, c'est bien, ça te va très très bien. J'essaie. T'es un peu minci, quand même. Oui, oui, un peu, oui. Tu sais, j'ai un peu tendance à... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu picoles moins, là. Ouais. Ouais, ça se voit, t'as meilleure mine, là. Picole moins, je mange moins, je fais plus de sport. Ouais, c'est Florentine qui te... Florentine, qui m'aide beaucoup d'ailleurs. Alors, vous avez déclaré Henri Lecomte dans l'Humanité en septembre 2002. Les joueurs de tennis sont des casse-couilles, moi aussi. Absolument. Voilà. Et c'est vrai que pendant longtemps, vous avez été l'enfant terrible du tennis français. Vous jetiez, moi je me souviens, vous jetiez votre raquette, vous rouliez par terre, enfin... De toute façon, je suis comme ça. Ouais. Pas changé, hein. Non, non, mais on vous aime comme ça, voilà. De toute façon, il n'y a pas de problème. On m'a aimé, on m'a détesté, mais c'est pas grave. C'est vrai que vous avez des relations effectivement passionnelles avec le public qui certaines fois vous ovationnait, d'autres fois vous conspuez, ça a été très... C'est un peu une histoire d'amour, tu vois, les moments on s'aime, on se déteste. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, bah, vous êtes devenu l'ami de tous les Français qui vous appellent Riton. Riton, Henri. Je peux vous appeler Riton? Absolument. Hein? Ça n'a pas toujours été le cas, parce que du temps de Brigitte, j'aurais pas pu vous appeler Riton. Non, c'était Henri. Henri, voilà. Mais tous les grands sportifs ont eu des diminutifs. Bien sûr. On l'appelait non, mais il y a toujours aussi une période où tu prends un peu le chou. Ouais. Bon. Ouais. C'est normal. Ouais. C'est fini, ça. Ouais. Voilà, vous êtes un petit peu le poupou du tennis. Votre meilleur classement ATP, ça a été 5e. Ouais. Hein? Et bien, vous n'avez jamais remporté un tournoi du Grand Chelem? Non, finale à Roland-Garros 88. Ouais, mais bon, perdu. Perdu, c'est moche. Hein? Ça, c'est nul. C'est marrant que le public vous aime bien. Et je pense que le public vous préfère depuis que vous avez arrêté le tennis. Ben, vous savez pourquoi? Vous savez, bravo, c'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de personnalité. Les gens vont t'adorer quand tu vas arrêter le métier. J'espère bien qu'on m'adorera un jour. Oui. Parce que les gens, de toute façon, ils se rendent compte qu'en fin de compte, il a une personnalité, qu'il était un mec. Il vous adore maintenant. Je communiquais, j'étais entier. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes consultant pour France Télévisions. Alors, vous faites aussi le Senior Tour avec votre ami Guy Forget. Vous faites des exhibitions. Et il y a l'Arena Cup à Béziers. 3 jours de tennis et 2 concerts. Et 2 concerts de Yannick Noah le 28, 29, 30 juillet dans les arènes de Béziers. C'est bien. Et ça va être super parce qu'on a organisé le tennis plus le concert avec Yannick. Faut venir. C'est toujours bien. Je t'invite et je vous invite. Volontiers. Ça, c'est bien. Ouais. Alors, plaisir. Il y a aussi la course automobile. Pourquoi vous faites de la course automobile? Parce que c'est moins fatigant que le tennis? Ah oui. Ah ouais, on est assis déjà. On est assis déjà. Ouais. Puis c'est pas les courses comme la Formule 1. Ouais. Avant tout, c'est une passion, j'adore ça. Ouais. Alors voilà, et vous vous occupez d'une association belge pour handicapés mentaux qui s'appelle La Maisonnée. Sérieusement, vous n'auriez pas aimé être capitaine de l'équipe de France? Non, Guy fait ça très bien, et c'est mon pote, et je crois qu'il a fait de très bons résultats. Pas très bons résultats, honnêtement. Bon, bah, la dernière fois, on a perdu, on ne peut pas tout le temps gagner. C'est quand même bien. Ça fait une paye qu'on n'a pas gagné quand même. Non, ça fait un an. Alors, moi, j'ai rien compris. Quand vous êtes rentré, il y a Bouffé qui m'a dit que vous faisiez du porno sur Internet. Porno sur Internet? On n'a pas regardé le même film. Hein. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Bouffy, Irène? Il faut pas l'écouter, porno sur Internet. Alors, c'est ça. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Je lui dis, tu connais pas, c'est une star du porno. Non, et en fait, avec ses cheveux comme ça, un peu tiré, c'est vrai ou pas? Non. C'est bon, pas? Non. Donc, né un 4 juillet, bientôt 40 ans, vous dites, dès que j'ai su marcher, j'ai commencé à jouer au tennis. C'est vrai. C'est vrai que votre mère, elle vous... Hein? Ah, on est 4 enfants. Hein, ouais, donc ils ont tous moniteurs. Tout le monde. Mes 2 sœurs ont été très fortes. Donc, j'ai toujours joué au tennis. Raquette à la main. À l'école, on ne peut pas dire que vous ayez fait des étincelles. Non. Vous étiez quand même le branleur près du radiateur. À côté du radiateur, bien sûr. Il faut bien le dire, oui, ça c'est clair. Non, mais ça, c'est le coup classique. Et vous dites, le tennis, c'est ma vie. Très jeune, vous en êtes rendu compte. Mais quand même, vous auriez bien aimé aussi être acteur, Henri Lecomte.
être acteur un peu comme Belmondo. Absolument. C'était où je faisais tennis, ou sinon j'aurais fait acteur, je pense, s'il y a eu le potentiel. Voilà, alors on va faire un petit truc là. Essayez de me jouer la colère. Vous êtes en colère après moi. Je vous ai dit un truc horrible. Vous êtes en colère après moi, Henri Lecomte. Je suis en colère. Moi, j'ai pas besoin de rien à colère. Je regarde dans les yeux et tu peux savoir que je vais te détruire. Mais tu vas pas imaginer ce que je vais te faire. Moi, ça sent le César. Bien. Alors maintenant, on va continuer. C'est encore plus difficile. Maintenant, vous allez me faire la joie. Vous avez gagné Roland Garros. Ouais, j'ai gagné. Ouais. Le pauvre, il croit qu'il a gagné. Mais on peut toujours penser qu'on a gagné. C'est ça. Ça c'est facile de se moquer, Thierry. C'est inhumain ce que tu es en train de faire. Les gens le voient chez eux. Bon, dernier jeu, l'indifférence. Faites-moi, snobez-moi. Regarde. Quel acteur ? Ne regarde pas. Il est où, Thierry ? Il paraît qu'il fait une émission. C'est trop fort. C'est trop fort. Conque. Ben voilà, donc Henri Lecomte, effectivement, vous avez raté une carrière d'acteur, c'est clair. Merci. C'est dommage. Bien. Deux emails. Deux emails, les mêmes pour dire Riton, merci d'avoir choisi le tennis. J'ai pas le choix. À l'âge de 16 ans, donc, vous devenez pro. Et effectivement, il y a deux dates clés dans votre carrière. Il y a un drame et un miracle. Voilà, l'histoire d'Henri Lecomte se résume à deux dates. Alors, le drame, évidemment, c'est Roland Garros. Hein. Finale contre Villander. En 88. La pâtée. La pâtée. Ah, 7, j'en ai 5, pris une bonne. Hein. 7-5, 6-2, 6-1. Ouais. Mauvais souvenir. Cauchemar. Hein. Puis ça n'a pas duré longtemps. Non, il n'était pas là. Cauchemar. Non, sincèrement. L'avantage, c'est que le cauchemar, il a duré que 2 heures. Il vous a sorti même assez pas. Rapidement. Ah, je suis parti en sucette parce que c'était un moment tellement fort, tellement émotif pour moi, être en finale de Roland-Garros. Finalement, j'ai vu que le public il commençait vraiment à me comprendre. Moi, j'ai parlé de mes 15 jours en disant j'espère que vous avez compris mon jeu. Et ouais, c'est ça, vous dites, vous comprenez mieux mon tennis. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites ça? Parce que j'ai tellement un jeu à haut risque, je prends tellement de risques que j'ai joué sur un fil de rasoir. Et ils ont enfin compris que j'étais capable de produire quand même un beau tennis. Donc moi, j'étais toujours dans mon trip de Roland-Garros. Ouais. J'ai pas réfléchi. Que tout d'un coup, c'était fini. Donc tout m'est tombé sur la tête. Puis après, le public, et puis j'ai répondu. Puis bon, je me suis parti en sucette. Bah oui, le public siffle à ce moment-là. C'est votre pire souvenir, ça, j'imagine. Non, il y a eu pire derrière. Ah bon? Ah, ah oui, après. Il y a eu Bercy après. Oui, il y a eu Bercy, effectivement. Il y a eu Bercy. Moi, j'ai vécu des trucs sympas. Ça m'a. Positif. Vous avez mal joué, quoi. Mal joué, pression, pas su la gérer. Voilà. C'est dommage parce que c'était la finale de Roland Garros. Oui. Alors évidemment, après, il y a le miracle. Extraordinaire, la finale de la Coupe Davis au stade Gerland à Lyon. Magnifique. Tout le monde s'en souvient. Vous battez Sampras, qui est 7e mondial à l'époque, en 3-7, 6-4, 7-5, 6-4. Le Sampras de l'air. Hein. Tous les coups passaient. Ouais, tous les coups passaient, c'est-à-dire que le malheur qui m'était arrivé à Roland Garros, je m'en suis servi pour la finale de la Coupe Davis. Vous avez rejoué le match dans votre tête avant. Et je me suis dit, attends, je ne vais pas refaire la même chose, quoi. Le bon Dieu me donne encore l'occasion de pouvoir me racheter. Enfin, c'est pas le bon Dieu, c'est Nora, mais c'est pareil. Oui, mais c'est pareil. Attends, c'est vrai, en plus, il a pris le risque de me faire jouer. J'étais en chaise roulante 3 mois. L'avantage des capitaines qui fument, c'est qu'ils mettent le compte en finale. Il avait fumé. Henri Lecomte est entré ce jour-là dans l'histoire du tennis français. Alors c'est fou parce qu'à l'époque, vous étiez en pleine déprime, hein, vous pendiez un fil, quoi. Ouais. Et c'est Noah, justement Noah, qui vous repêche. Vous aviez une forme assez précaire, vous venez d'être opéré pour la 3e fois. Et sur le terrain, vous êtes magique. C'est-à-dire 3 mois avant, je me juste de me faire opérer du dos, d'une hernie discale. Il me dit, écoute, j'ai besoin de toi pour jouer la finale à la Coupe Davis. Je veux que tu sois prêt pour le double. Ouais. Puis je me suis entraîné. Et puis de fil en aiguille, ben, tout d'un coup, j'ai commencé à mieux jouer, à battre tout le monde à l'entraînement. Et puis il me dit, un jour, ben, tu veux jouer en simple? Je dis, oui. Mais, et puis voilà. Il y a un truc qui est fou avec vous, c'est que vous pouvez battre n'importe qui certains jours et le lendemain vous faire battre par n'importe qui. Mais je crois qu'avant tout, je vis tellement les choses passionnément et je le fais vraiment avec le cœur. C'est vrai, je crois que de toute façon, c'est ma personnalité. Mmh. Je pouvais battre n'importe qui et c'est vrai que de jouer tout d'un coup contre quelqu'un, ben, je me déstabilisais pour un rien. Moi, j'aime le tennis et quand le comte joue comme une merde, c'est pas beau à voir, mais quand il joue comme un dieu, c'est magnifique. Voilà. Oh, c'est beau. C'est tout. Il faut dire, Henri Lecomte, c'est que vous avez eu pas mal de problèmes de santé. Hein. Il y a eu cette mononucléose infectieuse, l'hépatite virale, les 3 hernies discales, la fracture de la main, opération du genou. Ouais. Mais c'est quoi? Et la méningite il y a 2 ans. Un email pour dire qu'il faut avoir un cerveau pour avoir une méningite. Les gens sont sur le coup. Alors Henri, qu'est-ce qu'il est
tous ces problèmes s'ajoutaient à des problèmes de personnes. Brigitte, hein, c'est vrai, Henri, vous l'avez dit vous-même, elle n'a pas eu une influence très positive sur vous. Elle a eu une influence positive et une autre moins positive, mais une influence positive quand même. Elle m'a permis d'être numéro 5 mondial. Non, je ne la connais pas, Laurent. Moi, tu sais, j'essaye de comprendre pourquoi Henri... Non, attends, quand j'étais Brigitte, j'ai fini quand même 5e mondial. Ouais. Et puis après, il y a eu la Torera, Marie-Sara. Bien sûr. Ça, c'est encore quelque chose, c'est une passion aussi. Hein. Ouais. C'est pas un métier facile. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui, ben, c'est le grand amour, Henri Lecomte, avec un grand A. Absolument. Oh, comment tu parles d'elle? Ouais, je parle. Quoi? Tu as tête de gros A. Non. Grand A. Grand A. Grand. Bon, ben, on va accueillir Florentine, mesdames, messieurs. Mais oui, j'ai vu. Hein? Bien sûr, je l'ai vu. Florentine! Oh non, non, non. Voilà, Malek Bouti, qui est un garçon bien élevé. Merci, Malek. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Quelques centimètres, beaucoup d'amour et... Qu'est-ce qu'il a de moins que les autres? Quelques centimètres. Yva, est-ce que vous pouvez vous mettre à la place de Florentine? Parce que je voudrais vous avoir à côté, moi. Je voudrais vous voir comme ça et... Je suis sûr... Elle est très belle. Ah, vous êtes bien tous les deux, vous faites un beaucoup... Pas mal, non? Embrassez-vous pour voir. Avec la langue, voilà. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Bon, Henri, c'est arrivé, là. Alors... Florentine, est-ce qu'il va vous épouser? T'as un micro, mon cœur. Ça m'est complètement égal. Ah bon? Complètement. Ça, c'est ça, t'as trouvé une gonzesse qui ne veut pas être épousée, c'est génial. Non. C'est unique. C'est bien. Ah, c'est énorme. On n'a pas besoin de s'épouser pour être heureux. Tu as déjà été marié beaucoup de fois, non? Oui, deux fois. Deux fois, ça va. On accueille maintenant la future femme. Henri Lecomte. Et voici la prochaine. Merci Florentine, merci d'être venue. Et rendez-vous donc pour le 4 juillet. Et le moins, t'es sûr qu'elle ne te coupera pas les oreilles et la queue. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bien. Alors, Noah. On va parler de Noah. Ouais. Vous dites toujours que c'est votre pote. C'est votre pote. Ouais, c'est mon pote. C'est votre pote. Mais quand même, en 93, après l'échec de la Coupe Davis, vous avez déclaré dans l'équipe, un mec comme lui... qui se permet de juger alors qu'il est complètement hors du coup, la tête dans ses chansons, j'y crois pas. C'est vrai, lors de ce match de Coupe Davis, on a été jugé sans vraiment avoir de choses négatives sur nous. Bon, on perd un match, on perd un match, on assume complètement. Salut Malek. C'est pas ça la Malek, c'est salut Malek. Et je crois que là-dessus, on n'a pas été... Qu'est-ce qu'on a fait à ta femme? Qu'est-ce que c'est? Ça a changé, hein? Qu'est-ce qui se passe derrière? En même temps, Henri Lecomte n'est pas raciste. Mais vous faites quoi? Oui, d'accord, mais c'est quoi cette chemise? Qu'est-ce qu'ils font derrière? Bien. Donc, Yannick, ça va maintenant? Il sera là, non, oui. Bien sûr. À Béziers, tout ça, c'est grave. Il y a un make-up et tout, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des tensions entre les vrais potes, des moments difficiles, c'est vrai. C'est pour ça qu'on apprend à se connaître encore mieux. Bien. Alors, Riton, justement, vous allez devenir Yannick Noah. On va faire une interview. Yannick Noah, vous êtes Yannick Noah. Ça va Yannick? Oh ouais, super, super. Et toi, t'as gagné Roland-Garros, pourquoi il a pas gagné Riton? Je sais pas, j'étais pas blessé, tu vois, j'étais bien. Ça allait bien, quoi. La veille, je suis pas sorti en boîte, j'étais au top, quoi. Ah, il le fait bien. Moi, je le vois avec les dreadlocks, c'est marrant. Ouais, on voit, on ferme les yeux. Pourquoi les Français ne gagnent plus Roland-Garros, Yannick? Ben, je pense que ils y croient pas. Ouais. Ils y croient pas, ils n'utilisent pas le public, ils n'utilisent pas la presse, ils n'arrivent pas à se canaliser. Ouais. Au contraire, je crois que le seul Henri a réussi presque, mais bon, là, il faut assumer. Ils n'assument pas. Ouais. Voilà. Et dis-moi, Yannick, pourquoi aujourd'hui le tennis ne s'intéresse plus personne? Parce qu'il n'y a plus de personnalité. Ça t'a rapporté du blé, Saga Africa? Ouais. Beaucoup de blé. Je me suis gavé. Ouais. Ça le fait un peu chier le compte que l'autre se soit pris un maximum. Non. Dis donc Yannick, tu penses que tu es meilleur chanteur ou tennisman? Je pense que je suis meilleur tennisman, mais chanter, c'est mon kiff, quoi, tu vois. Ouais. J'aime ça. Entre Riton et toi, Yannick, c'est lequel qui chante le plus faux? Henri. Ouais.
Et celui qui tient le mieux l'alcool, c'est lequel? Oh, Yannick. Ouh, grave. C'est toi? Non, Yannick. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est toi, Yannick. C'est Yannick. Yannick. Vous le répétez régulièrement. C'est la méningite. Répète-lui régulièrement le principe. Non, mais c'est Yannick, c'est moi. Oui, c'est toi. Et celui qui tient le mieux les pétards? Oh, c'est Henri. Ah ouais? Ouais. Henri, putain. Ah, il fume, Henri? Grave. Ah, il fume quoi, Henri, par exemple? Ouais, non, c'est ça, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, je suis à Wimbledon. J'ai une interview avec les Anglais, j'ai dit, vous aimez bien le gazon, et j'ai répété, je préfère le fumer que jouer dessus. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.